J'ai vu le jour en 1931. Mon père s'appelait Louis. Et je ne l'ai connu que très peu de temps. Vous savez, tout cela me semble si lointain. À mes 5 ans, il est du jour au lendemain parti. J'avoue, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi et je n'ai toujours pas compris. Très vite, un autre papa est arrivé. Il a passé plus de temps à mes côtés. Il m'a accompagnée jusqu'à mes 19 ans. Je me sentais grand, je me sentais fort et puissant. Et puis, lui aussi un jour est parti. Sans rien dire et sans un bruit. Petit à petit, beaucoup de gens sont venus. Je me suis demandé qui étaient tous ces inconnus. Les gens semblaient traumatisés et beaucoup étaient même malades ou blessés. Ils parlaient tous d'une guerre, de plusieurs pays en désaccord sur la terre. Bien des années plus tard, la paix était revenue, mais la tuberculose, elle, n'était pas vaincue. J'ai donc accueilli sur mon toit des personnes voulant guérir, vivre et retrouver la joie. Et puis le temps a passé. 1974. Je devenais moi aussi âgée. Mais rassurez-vous, j'étais bien accompagnée. Mes invités cette fois-ci s'appelaient tous Pépé ou Mémé. Aujourd'hui, je suis seule. Il n'y a plus un bruit. Du grenier jusqu'au sous-sol. J'avoue que je me sens un peu abandonnée. Moi qui ai pourtant tout donné durant presque un siècle passé. Je ne sais pas ce que tous ces gens sont devenus, mais j'ai de temps en temps des visites d'inconnus. Ils ne restent pas longtemps, ils partent très vite. Certains sont gentils, mais d'autres saccagent et prennent la fuite. J'espère qu'un jour je me sentirai à nouveau invincible. Car il n'y a rien de pire que de se sentir inutile. Ok, bon, on va redescendre. On va faire une séance sympa. T'as capté une ? Non. T'as entendu ? Mmh. Un truc comme ça. Comme un. Ouais. Voilà, ça les archive. Oh la vache ! Oh, ça c'est chaud par contre. C'est quoi qui m'a accroché le cercle ? Non, c'est le normal. Quoi ? Tu pourrais en parler. Non ? T'as entendu quoi ? On aurait dit un bruit de carnage, tu sais. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as entendu ? Oui, mais là on marche sur l'escalier en bois. Non, 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 c'est toi. Ça va? Si tu veux arrêter, t'arrêtes. Je t'ai dit, hein, pas de soucis. Hein. Vous voulez. C'est comme si on marchait dans une pièce et. Oui. On marchait sur du papier. Je te jure que c'est vrai. Ah, mais je te crois, t'inquiète pas.